Bonjour, je m'appelle Angela Berry et je suis une enseignante avec le Conseil scolaire de Toronto. Et aujourd'hui, je vais discuter comment créer une unité en français 4 qui utilise les nouvelles approches actionnelles et le nouveau curriculum. Avant, il était très important d'aller à l'école parce que le professeur et la classe lui-même avec des livres étaient la source des informations. Maintenant, avec la technologie et l'Internet, les informations sont toujours disponibles. Le point de l'éducation n'est plus juste de savoir des informations, mais de les comprendre, de les discuter et de les utiliser. Il faut enseigner de la pensée critique pour que les élèves puissent chercher des bonnes informations. Un des buts du système d'éducation est de préparer une main-d'œuvre compétente. Mais aujourd'hui, toute l'information globale redouble chaque 13 mois. Qui sait ce que le futur va apporter? Le futur est inconnu, c'est pourquoi il faut enseigner d'autres habiletés d'apprentissage, comme la collaboration, la pensée critique et la citoyenneté. Tous ces changements sociaux exigent des grands changements du système d'éducation et aussi de notre pratique en classe. Ce ne sont pas des solutions de fortune, c'est une vraie révolution pédagogique qui exige des changements fondamentaux. Alors, au début, il faut considérer quels facteurs devrait-on envisager pour planifier une unité en français 4. Pendant cette présentation, je vais utiliser l'exemplaire de mon entrevue personnelle, qui est un projet à l'oral et à l'écoute. Le premier facteur qu'on devrait envisager pour planifier une unité de français 4 est le nouveau curriculum de français. Le document élémentaire est sorti en 2013, suivi par le document secondaire en 2014. Selon moi, ils sont fantastiques. Un grand changement du vieux curriculum est qu'il y a maintenant 4 domaines séparés. L'écoute, l'oral, la lecture et l'écrit. Chaque domaine a 3 attentes et c'est ces 3 attentes qui vont informer l'évaluation d'apprentissage. Les attentes sont les mêmes en chaque année. Les attentes sont aussi les mêmes entre les 3 programmes de français langue seconde, le français 4, l'intensif et l'immersion. Il y a maintenant aussi un élément interculturel en chaque domaine. Même s'il y a seulement 3 attentes pour chaque domaine, il y a plusieurs attentes spécifiques qui incluent des stratégies, des déclencheurs et des indices. Tout ça, c'est juste pour informer les professeurs. Un autre grand changement est que maintenant, il y a de la métacognition inclue à chaque attente qui va beaucoup aider les élèves et les professeurs à réfléchir. Peut-être le plus grand changement est que maintenant, il ne faut plus enseigner la grammaire explicitement. Bien sûr, il faut enseigner la grammaire et les structures, mais ce n'est pas le cœur de chaque unité. Pour le projet de mon entrevue personnelle, j'ai choisi « Speaking to Interact ». La deuxième facteur à envisager pendant la planification est le CECR. Le CECR, c'est le cadre européen commun de référence pour les langues. C'est un système langagier reconnu et utilisé partout en Europe. C'est développé par le Conseil de l'Europe et il prescrit des connaissances linguistiques organisées en 6 niveaux différents. Les 6 niveaux ne sont pas organisés par âge ou par année, mais par compétence. Nos élèves en français 4 sont bien sûr des élémentaires et un bon but c'est d'arriver à un niveau A2 à la fin d'école secondaire. Le Conseil de l'Europe publie des excellentes ressources pour spécifier les attentes pour chaque niveau. Alors il faut maintenant choisir certaines attentes pour ce projet. J'ai choisi, je peux rencontrer des autres, je peux décrire des aspects simples de ma vie, je peux poser des questions aux autres à propos d'eux, et je peux répondre aux questions simples à propos de ma vie. Aussi très important pour planifier une unité est de créer des tâches riches. Une tâche riche est une tâche où l'élève utilise plusieurs habiletés à travers la taxonomie de Bloom. Des tâches riches exigent de la pensée critique. Elles sont aussi interactives et sociales. Les tâches riches exigent de la création ou de l'action à la part de l'élève. Ils sont authentiques et ont plusieurs liens entre la classe et la vie quotidienne. Une tâche riche exige que plusieurs compétences sont démontrées en même temps. Ces compétences sont prises de la grille de rendement du curriculum. Il y a 4 catégories et idéalement, on devrait avoir minimum de 3 de ces catégories représentées dans une tâche. Finalement, la tâche riche est simplement écrite avec des phrases courtes et claires. Pour cet exemple, la tâche a 3 phrases. Tu vas te présenter à ton professeur en conversation.
discute tes caractères, tes activités et tes intérêts. Tu vas poser des questions et répondre en détail. Mais ce n'est pas assez juste d'avoir une tâche riche. Il faut aussi utiliser l'approche actionnelle, qui veut dire qu'il faut modifier un peu notre tâche. L'approche actionnelle exige la pensée critique et la prise des décisions par les élèves. Quand les élèves sont demandés à prendre des décisions et offrir leurs opinions, ils font des liens personnels qui mènent à la communication authentique. Il faut alors ajouter un autre élément à notre tâche riche. Décide si ton professeur serait un bon conseiller scolaire pour toi et pourquoi. Maintenant que la tâche est planifiée, il faut développer un but d'apprentissage. Un but d'apprentissage est une phrase simple, courte et directe qui décrit ce que nous apprenons pendant cette unité et qui vérifie que nous sommes à la tâche. Il est affiché au mur pour être visible pendant tout le cycle d'apprentissage de cette unité. Il est utilisé par le professeur pour modeler la métacognition en demandant comment une activité est reliée à la tâche finale. Il est utilisé aussi par les élèves pour réfléchir pourquoi les travaux en classe sont valables. Il commence toujours par les trois mots « nous apprenons à » parce que même si une tâche finale est individuelle, l'apprentissage se passe toujours en groupe, en classe. Le but d'apprentissage pour cet exemple est « nous apprenons à nous présenter en conversation ». Maintenant, il faut planifier l'évaluation avec le document « faire croître le succès ». Faire croître le succès est un document du ministère de l'Éducation de l'Ontario qui est sorti en 2010 qui décrit nos responsabilités de l'évaluation et reportage comme professeur en Ontario. Il vaut vraiment la peine à le lire au complet, mais voici quelques points saillants pour former une grille d'évaluation. Avec la tâche et l'attente du curriculum de français en tête, regardez les quatre sections de la grille de rendement dans le curriculum. Les connaissances, la pensée et la planification, la communication et l'application. Lisez les descriptions des compétences dans chaque section et décidez quelles compétences sont importantes pour la tâche. Assurez-vous d'avoir des compétences de chaque section et formulez des critères de réussite qui commencent avec les mots « je peux ». Choisissez un descripteur pour décrire la qualité de cette compétence. Assurez-vous aussi d'utiliser la langue quotidienne car il est une ressource plutôt pour les élèves. Utilisez les critères de réussite pour former la base de niveau 3 sur la grille d'évaluation. Assurez-vous d'utiliser le langage spécifique et professionnel, car ça c'est une ressource plutôt pour les professeurs. Utilisez seulement les descripteurs standardisés de la grille de rendement. With a high degree of effectiveness, with considerable effectiveness, with some effectiveness, and with limited effectiveness. Les critères de réussite et la grille d'évaluation sont affichés au mur aussitôt que possible. Nous devrions référer les critères pendant la métacognition et la rétroaction pour les élèves. Voici les critères de réussite et la grille d'évaluation pour cette tâche exemplaire. Maintenant que la tâche et l'évaluation sont complétées, il faut planifier comment on va enseigner toutes les compétences nécessaires pour réussir. On entend souvent « mais il faut enseigner 100% en français ». Si certains concepts sont trop compliqués de communiquer et expliquer en français, comme des concepts grammaticaux, ne les dis pas. Il n'est pas nécessaire ni d'enseigner ni expliquer tout un concept grammatical, comme le présent. Il ne faut même pas conjuguer des verbes. Il faut modeler les structures linguistiques nécessaires et le plus simple et clair que possible. Enfin, comme professeur, il faut parler moins de 10% de la classe. Planifier des activités où tous les élèves peuvent parler en même temps, en partenaire ou en petit groupe. Dresser une liste de compétences essentielles à apprendre pour compléter cette tâche riche. Voici la liste pour notre tâche exemplaire de mon entrevue personnelle. Il faut bien sûr connaître le vocabulaire, certaines structures du présent, des structures de questions directes et indirectes, et les phrases complexes. Bien qu'on a des compétences spécifiques en tête, il faut planifier des activités pour pratiquer ces compétences. Pour chaque compétence, il faut planifier des activités de la délégation de la responsabilité du professeur aux élèves. L'apprentissage direct est mené par le professeur qui explique les connaissances et l'activité au front de la classe. L'apprentissage partagé est mené par le professeur et les élèves qui pratiquent ensemble l'activité pour assurer que les instructions sont claires.
L'apprentissage collaboratif est mené par les élèves qui pratiquent en petit groupe ou en partenaire. L'apprentissage individuel est la consolidation de l'apprentissage et c'est fait par l'élève seul. Voici une bonne opportunité pour la rétroaction du professeur pour assurer que chaque élève réussit sur cette compétence. Il est très utile d'organiser les activités en organigramme. Voici le plan de l'unité au complet pour notre unité exemplaire, mon entrevue personnelle. Pour chaque compétence, il y a de la délégation de la responsabilité avec l'apprentissage direct, partagé, collaboratif et individuel. Alors, quelles sortes d'activités sont utiles pour la pratique communicative ciblée? La pratique n'est pas nécessairement aussi authentique que la tâche finale. C'est la préparation et la répétition qui est important pour apprendre les structures. Il faut trouver les déclencheurs pour forcer les élèves d'utiliser les structures nécessaires. Il est très pratique d'utiliser des feuilles avec des expressions ou avec du vocabulaire. En partenaire, laissez tomber une trombone sur un carré. On peut varier les structures pratiquées avec le même papier. Est-ce que tu es sportive? Tu es sportive? Es-tu sportive? Est-ce que tu aimes jaser? Tu aimes jaser? Aimes-tu jaser? On peut aussi demander deux questions de suite. Est-ce que tu es sportive? Oui, je suis sportive. J'aime beaucoup danser et faire des sports. On peut pratiquer et ajouter des détails pour la complexité. Aimes-tu cuisiner? Oui, j'aime beaucoup cuisiner, chaque soir avec ma famille à la maison. Ou on peut faire la même activité à l'envers. Qu'est-ce que tu aimes faire à la maison? À la maison, j'aime beaucoup cuisiner avec ma famille chaque soir. Il est très important que les activités ne sont pas trop longues. 2 minutes suffisaient. Je suggère de les chronométrer. Il faut planifier aussi beaucoup d'activités pour la même classe. Après chaque activité, affichez toutes les ressources au mur pour que les élèves puissent le regarder pour le reste du cycle d'apprentissage. Il faut accepter que les salles de classe seront beaucoup plus bruyantes, mais les élèves seront à la tâche. Considérez utiliser un site web comme Memrise pour apprendre le vocabulaire à la maison. Et voilà notre unité. Vive la révolution pédagogique! Veuillez visiter ma chaîne de YouTube pour écouter des conversations exemplaires au complet. Cherchez Medelberry à YouTube pour y trouver. Toutes les ressources pour cette unité et d'autres unités sont disponibles sur mon site web sous Resources. Cherchez Medelberry sur Google pour y trouver. Maintenant, j'espère que vous avez toutes les compétences nécessaires pour planifier une unité de français 4. Bon courage!